Bienvenue dans cette nouvelle critique. Nous sommes devant la Marinière, qui a été le premier camping privé de la ville de Carnac. Mais nous n'allons pas critiquer la Marinière, mais plutôt des gâteaux. La Trinitaine, ça vous dit quelque chose? Oui? Alors, pour la petite histoire, ils ont été créés en 1955. Voilà, à côté de la Trinité-sur-Mer. Voilà, il y a encore la grande boutique. Et il y a une boutique à la Trinité. Il y en a une à Carnac. Il y en a un peu partout en France. Et pour l'anecdote, quand j'étais petit, avec ma maman, nous allions dans cette maison. L'été, notamment. Quand il faisait froid, on allait à l'hôtel Tibion, qui n'existait plus. Et nous allions, au moins une fois, eh bien, à la Trinité. Ça devait être la dernière semaine du mois de juillet. Et nous achetions des gâteaux. Mais des sachets de gâteaux. Énormément, hein. Bah oui. Ensuite, on les ramenait ici. On était en autocar. On les ramenait ici. On les mettait dans des petites boîtes, catégorie par catégorie. On fermait tout ça. On mettait tout ça dans une malle. Et la malle, nous l'envoyons à Paris. Et nous avons tout récupéré. Voilà. Pour la petite anecdote. Et maintenant, j'y vais, je prends beaucoup moins de paquets parce que j'ai pas de mal, même si j'ai une voiture. J'ai des enfants, j'ai une famille, hein, alors voilà. Mais je passe commande. Alors la qualité des gâteaux, ils sont très très sucrés. Si vous faites un régime, il faut peut-être un ou deux. Allez, vous faire plaisir. Ils sont gras, c'est vrai, plein de beurre. Ah, une spécialité bretonne, c'est normal. C'est eux qui ont inventé les fameux cigares. Vous savez, les gâteaux en forme de cigare. S'amuse à faire ça, bien. On le mange. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est eux qui l'ont inventé. Voilà, j'ai fini ma critique sur la Trinitaine. Alors, si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez à Carnac. Visitez Vannes, Quiberon, la presqu'île de Quiberon, Belle-Île-en-Mer, Auray, et faites un petit détour par la Trinitaine. La Trinité, pour voir les bateaux, et aussi la Trinitaine. Pour vous régaler avec leur gâteau. Merci et puis je vous donne rendez-vous pour une autre critique très très bientôt et peut-être pas ici. On verra. Bye.